Bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce 21 sur RTI 1. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce 20h sur RTI 1. L'administrateur du Fonds monétaire international FMI a été reçu par le vice-président Tiemoko Meilié-Koné. Une rencontre en prélude à la prochaine mission du FMI en terre ivoirienne du 1er au 14 mars prochain. La stratégie de développement du pays a aussi été évoquée. Se rendre à Tiapoum dans le sud-est de la Côte d'Ivoire par voie terrestre est désormais chose aisée. 33,5 km de bitume relient Abouasso, Noé et Tiapoum. L'on se félicite sur place du désenclavement, des opportunités d'affaires qui en résultent, surtout dans les filières tourisme et palmier à huile. Au Salon international de l'agriculture de Paris, l'Agence pour le développement de la filière riz a invité les opérateurs économiques à venir investir dans la riziculture en Côte d'Ivoire. Les besoins sont estimés à environ 5 000 milliards de francs CFA. Et puis au Mali, le texte de la nouvelle constitution a été remis ce mardi au colonel Assimi Goïta. Son adoption serait une étape importante dans le calendrier menant à des élections en février 2024 et un retour des civils au pouvoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce mardi 28 février sur RTI 1, cette audience que le vice-président ivoirien Tiemoko Meilié-Koné a accordée à l'administrateur du FMI pour la Côte d'Ivoire. Il a indiqué être présent sur le sol ivoirien dans le cadre de négociations pour un nouveau programme de développement en terre ivoirienne. Jérôme Kofi Abola. Administrateur,
Il l'est pour le compte de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique au FMI, Fonds monétaire international. Fasciné Sylla, c'est son nom. Il est ce mardi au palais présidentiel de Côte d'Ivoire pour échanger avec le vice-président de la République, Tiémoko Milié-Koné. Pour lui, cette rencontre constitue le cadre idéal destiné à établir un nouveau programme de vision commune sur le développement de la Côte d'Ivoire entre le FMI et les autorités ivoiriennes qui d'ailleurs l'honorent de leur soutien dans ses fonctions. Je ne pouvais pas venir ici sans dire merci aux plus hautes autorités et les remercier de m'avoir choisi comme leur administrateur au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, et ça, c'est pas un scoop que je vais annoncer, bientôt la mission du Fonds monétaire international va être là pour faire une négociation avec un nouveau programme du pays. Et il était important qu'avant que cette mission ne démarre, que je vienne briefer mes autorités et qu'on ait des visions communes et qu'on sache qu'est-ce qu'il faut obtenir de cette mission. Également pour l'administrateur du FMI, Fasciné Sylla, cet entretien avec le vice-président de la République est une occasion d'affirmer sa détermination à tout mettre en œuvre pour encourager la Côte d'Ivoire à continuer de jouer son rôle de moteur pour sa croissance économique dans la sous-région. L'Agence pour le développement de la filière riz Adéris est à la recherche de financement afin de résoudre le déficit de la production nationale. À Paris, pendant le Salon international de l'agriculture, une conférence sur le stand de la Côte d'Ivoire a permis d'inviter les opérateurs économiques à venir investir dans la filière riz, les besoins étant estimés à environ 5 000 milliards de nos francs. Jean-Jacques Kwame. Principal aliment pour la quasi-totalité des Ivoiriens, le riz a une consommation moyenne par habitant et par mois d'environ 85 kg. Ces informations ont été données par les responsables de l'Agence pour le développement de la filière riz Adéris lors de la conférence prononcée au Salon international de l'agriculture en France. Ces chiffres, en progression de 6% chaque année, posent le problème du besoin de consommation de cette denrée alimentaire estimée à environ 1 850 000 tonnes. L'objectif justement c'est d'appuyer ces acteurs-là pour accroître la rentabilité, la productivité et faire en sorte que le riz soit rendu disponible pour l'ensemble des Ivoiriens. Et pour cela, il faut travailler sur la mise à disposition de semences de qualité, il faut travailler sur la mécanisation, il faut travailler sur la maîtrise de l'eau. Les investissements dans le secteur sont estimés à environ 5 000 milliards de francs CFA. Sont concernés la production, la commercialisation, l'équipement. Les investisseurs français venus prendre part à la conférence ont marqué leur adhésion au projet. Je pense qu'un des plus grands moments de l'investissement qui va se passer en Côte d'Ivoire sur la partie agricole. C'est un énorme challenge et on est très heureux de pouvoir y participer et de vous aider au mieux possible. On peut apporter des solutions pour tout ce qui est irrigation, quand il y a nécessité d'avoir des stockages tampons ou des stockages de plus ou moins grande taille, on a un produit qui est assez facile à installer et qui a fait ses preuves sur beaucoup de marchés en termes d'irrigation. Venez investir dans la filière riz en Côte d'Ivoire, c'est un secteur porteur. C'est le message lancé par le ministre d'État Kwasi Adjumani aux opérateurs économiques. Si vous venez en Côte d'Ivoire pour investir, dites-vous que le terrain est déjà préparé. Et l'Adéris, malgré ses modestes moyens, a aménagé certains espaces qui sont même irrigués et où on installe des jeunes et des femmes pour produire du riz. En y investissant, on ne perd pas. Ce sera donc des investissements gagnant-gagnant. Ce partenariat gagnant-gagnant va permettre à la Côte d'Ivoire de réduire sa dépendance au marché mondial, donc de couvrir les besoins de consommation en riz estimés à environ 2,3 millions de tonnes par an.
Sur place à Paris, le manioc et ses dérivés ont été mis à l'honneur. Une rencontre avec des partenaires et investisseurs a permis de présenter les avantages de cette culture qui a besoin d'être mécanisée. La rencontre s'est tenue au cours de la journée dédiée à la Chambre nationale de l'agriculture et aux coopératives. Mamadou Kouassi. Le manioc, principale culture vivrière en Côte d'Ivoire, occupe la deuxième place après l'igname en termes de consommation locale. Ce sont plus de 5 millions de tonnes qui sont produites annuellement pour aboutir à plusieurs dérivés dont la tiéké. Face aux opérateurs économiques, la Chambre nationale de l'agriculture et les sociétés coopératives de Côte d'Ivoire ont présenté les avantages du manioc et surtout les dérivés de cette culture vivrière qui constitue un élément essentiel dans la politique de souveraineté alimentaire. Il faut dire aujourd'hui que le manioc est devenu une denrée qui pourrait participer valablement à la souveraineté alimentaire à travers ses dérivés, notamment celle que nous voulons valoriser, qui est la farine qui doit rentrer dans les produits de boulangerie, de pâtisserie et de viennoiserie. Nous sommes venus avec une filière d'avenir, une filière qui existe déjà, mais une filière qui a besoin d'approfondir certaines transformations au niveau de certains produits dérivés. Des explications qui ont convaincu ces structures européennes en charge du développement local et de la transformation. Notre groupe en fait s'interroge sur comment valoriser ce produit, donc comment le transformer. Donc c'est un sujet qui nous intéresse fortement. On a beaucoup à échanger sur notre connaissance, sur nos métiers, avec effectivement une dimension économique, puisqu'il y a des vendeurs de matériel ou développeurs de levain qui peuvent aider à avancer beaucoup plus vite. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir intervenir sur le terrain avec les agriculteurs. Nous sommes des agriculteurs qui parlent avec d'autres agriculteurs pour les aider d'abord à produire, accéder à une mécanisation, accéder à une transformation des produits. La transformation des produits agricoles et surtout celle du manioc constitue une priorité pour la collectivité territoriale et surtout pour le gouvernement. Tout peut être utilisé dans le manioc, puisque même en pharmacie, on utilise le manioc pour faire de l'amido. Pour qu'elles puissent vivre de leur production, c'est de transformer. La guerre en Ukraine nous a donné de nouvelles idées. Et nous voulons donc que désormais, la farine de manioc entre dans la composition du pain, la farine de maïs, la farine de riz, la farine de soja. Donc ça vous dit que le manioc dont nous parlons aujourd'hui, avec ses dérivés, va être valorisé. Même la tige de manioc se consomme. Quand l'homme ne consomme pas la tige, mais ça peut servir aussi à fabriquer de l'aliment pour le bétail. Venez donc investir dans le manioc. Et puis nous allons engager un processus de commercialisation. Pour cette 59e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, la Chambre nationale de l'agriculture et plusieurs sociétés coopératives de Côte d'Ivoire spécialisées dans l'agro-transformation font le déplacement. Il s'agit pour ces structures de montrer le savoir-faire des agriculteurs ivoiriens. Le dossier EcoPlus nous conduit ce soir sur l'axe Aboisso-Noé-Tiapoum. Une voie bitumée longue de 33,5 km réalisée par l'État de Côte d'Ivoire pour un montant de 46 milliards de francs CFA. Les populations de Tiapoum voient là de réelles opportunités, la ville étant l'une des plus grandes productrices de palmiers à huile et possédant également un fort potentiel touristique. C'est un dossier signé Mama Traoré. Dégager le sable de la voie, ici, c'est le rituel après chaque pluie. Pour les populations d'Edjambo dans le département de Tiapoum, région du Sud Komoé, cette tâche est loin d'être une corvée. Bien au contraire, jeunes et adultes s'y adonnent à cœur joie. Notre patrimoine, il faut conserver ce patrimoine, il ne faut pas le gâter. Donc il faut vraiment que nous qui avons bénéficié de ça, il ne faudrait pas que le gouvernement se décourage de nous. Le patrimoine à préserver est cette nouvelle route qui traverse désormais leur village. Elle part de l'axe Aboisso-Noé pour rallier la ville de Tiapoum. Bâtie entre 2018 et 2021, elle est longue de 33,5 km, relie une dizaine de villages et traverse des centaines d'hectares de palmiers à huile. Sa réalisation aura coûté à l'État de Côte d'Ivoire plus de 46 milliards de francs CFA,
Avant sa construction, les populations n'avaient d'autre choix que d'emprunter cette piste, un calvaire auquel le chef de l'État a décidé de mettre fin en honorant sa promesse de connecter Tiapoum au reste du pays. Par le passé, nous, on ne pensait pas qu'un jour, on allait bitumer Tiapoum. Et je me souviens quand le président, en 2010, a dit qu'il allait investir plus de 60 milliards à Tiapoum. Nous, on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Le président a investi plus de 80 milliards dans le département de Tiapoum. Quand il dit à un fonctionnaire qu'il a affecté à Tiapoum, il avait du mal à venir. Lorsqu'il se débrouille et qu'il arrive ici, souvent il va demander une affectation pour partir. Nous-mêmes, lorsque nos parents avaient besoin de nous, on faisait beaucoup de calculs pour nous mettre en route. Mais aujourd'hui, c'est avec le sourire qu'on vient ici à Tiapoum. Le goudron, c'est le développement. Une fois que la route est arrivée, une fois que les villages ont commencé à se développer. Donc c'est une joie pour nous. Ce projet n'a pas que désenclavé Tiapoum. Il l'a aussi façonné en réalisant les premiers linéaires de bitume de la ville. Une voirie caractérisée par ce boulevard et cette artère principale que l'on retrouve au centre-ville. Les habitants savourent cette métamorphose de leur cité. Mais les boulots camions pour arriver ici, il faut que j'aille prendre ça au goudron. Maintenant, ce n'est pas le cas. Des camions de combien de tonnes là viennent facilement ici. Donc pour moi, c'est un avantage. Pas pour moi seul, mais en tout cas pour tout Tiapoum. Avant, il n'y avait pas de goudron ici. Mais actuellement, on voit qu'il y a goudron. On roule tranquillement. Et tous nos projets qui sont ici, bon, ça marche un peu pour nous aussi. Donc avant, on cultivait manioc ici, on n'arrive pas à vendre. Mais actuellement, par rapport au goudron, on voit que les bâchers rentrent ici pour prendre nos maniocs. Et puis bon, on est en liberté aussi. On voit que ça nous plaît beaucoup. Tiapoum a changé de physionomie et la seule station-service qu'elle compte pour l'heure en profite. La circulation désormais aisée avec les localités environnantes, les conducteurs de véhicules ou d'engins à deux ou trois roues s'approvisionnent régulièrement en carburant. Un pic d'activité que l'on constate également à la gare routière. Avec l'arrivée du bitume, on est très satisfait. Très très satisfait parce qu'on arrive à faire plusieurs rotations sur la ligne à Boisseau, à Tiapoum. Mais l'activité marche. Et tout ce que je fais, en tout cas, c'est rapide. Je suis un pisteur, donc ça me facilite de faire mes opérations au niveau d'Anville pour revenir à Boisseau, ma ferie pour revenir facilement. L'espoir de développement est désormais perceptible à Tiapoum et le potentiel est là. En même temps qu'elle facilite l'écoulement des produits agricoles, la nouvelle route longe une berge lagunaire frontalière au Ghana et offrant à Tiapoum le décor d'une presqu'île à découvrir. Un gisement touristique encore peu exploité, faute d'infrastructures, un seul réceptif hôtelier opère actuellement dans la zone. Aujourd'hui, le mètre carré de terrain est passé à Tiapoum, certainement de 300 francs. Aujourd'hui, nous sommes à peut-être certainement à 2000 francs. On ne fait que commencer. Les aspects touristiques, il y a des opérateurs déjà qui sont en train de prendre les bordures de lagunes pour voir des opérations et des constructions de l'espace hôtelier. Et je pense que ça aussi, c'est important. Nous avons en prévision la construction d'un bac entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais le bac, il ne peut être intéressant que s'il y a une fluidité dans la circulation. Et cette fluidité vient avec le bitumage. Si toutes ces intentions d'investissement se concrétisent, nul doute que Tiapoum sera la nouvelle destination touristique. L'axe Aboisseau-Noé-Tiapoum, une nouvelle route et de nouvelles opportunités, un dossier signé Mahama Traoré. On parle maintenant de stratégie nationale de l'état civil, de modernisation de l'identification en Côte d'Ivoire. Où est-ce que nous en sommes? Une question qui réunit les représentants de l'administration publique. L'ONESI les exhorte à s'approprier tous les enjeux de cette stratégie nationale. Hervé Blé. L'Office national de l'état civil et de l'identification veut une administration publique ivoirienne partenaire dans le déploiement de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification SNESI. Aux représentants des ministères présents à Grand Bassam, l'ONESI a expliqué la nécessité pour les administrations de faire évoluer leurs pratiques en utilisant les solutions et outils à leur disposition
pour la vérification des titres produits par l'ONESIE et authentifier leurs porteurs. À ses hôtes, Ago Christian Kodia a fait savoir que le Registre national des personnes physiques, RNPP, est maintenant une réalité. Ce séminaire marque pour nous une volonté de la mise en commun des efforts des différentes compétences de nos instances décisionnelles afin d'aboutir à un projet commun qui est la traduction en action des mesures prises par le gouvernement en vue de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Le ministre Vagondo Diomandé a lui invité les Ivoiriens à s'inscrire dans la modernisation de l'état civil et l'identification. Plus de 400 000 cas d'identité nationale attendent encore leurs propriétaires dans les centres de l'ONESIE. L'ONESIE, bien évidemment, ne pourra pas garder indéfiniment ces cartes. J'invite donc les Ivoiriens à se rapprocher des centres de l'ONESIE ou à utiliser les canaux d'assistance disponibles. Il s'agit des call centers, il s'agit de l'application MyONESIE ou tout simplement du site web de l'ONESIE afin de retirer la carte qui attend son propriétaire. Le Registre national des personnes physiques, RNPP, créé par décret le 9 mai 2018, a consolidé la mise en place de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification SNESI. Un reportage sur la modernisation de l'état civil signé Sidonie Davila. Le Kabadougou installe son nouveau chef, le Djamanatigi, c'est son titre, l'équivalent du chef de canton. Son leitmotiv, la paix et la cohésion. Eugène Atoubé. Dans les encablures de la grande mosquée d'Odjené au rond-point du quartier Libreville, la cité du Kabadougou abrite son plus grand événement de l'année 2023, ou dire des populations. Filles, fils, cadres, forces vives et invités de toutes marques, vivent la ferveur et l'émotion née de l'installation du Djamanatigi du Kabadougou, expression de leur attachement à la tradition. C'est un symbole important, c'est l'ordre, c'est également la maîtrise de toute l'institution traditionnelle. On souhaite au Djamanatigi de rassembler tous ses fils. La tradition reste toujours la tradition. Notre rôle, c'est de rassembler tous nos enfants dans la cohésion, le développement. Le Djamanatigi est l'équivalent dans le Kabadougou du chef de canton. Dans le respect de la tradition, le choix a été porté sur Bakary Touré, petit-fils de Vakaba Touré, fondateur du royaume du Kabadougou à la fin du 19e siècle et premier de sa lignée à exercer le pouvoir de Djamanatigi. Le rituel de l'intronisation du nouveau Djamanatigi de Kabadougou est solennel. Tout ce qui exige la tradition en pareille circonstance est minutieusement exécuté. Il y a un lien entre ces trois familles Touré, la famille de Vakaba Touré, la famille de son neveu Vassanissi Touré, la famille de son frère Vabourema Touré. Ils ont été rejoints par d'abord les Garasuba, ensuite les Komara et enfin les Sissé. Et on dit aux trois autres venus, si vous voulez rester avec moi à Odjené, acceptez le règne de cette famille Touré. La chefferie du Kabadougou restera toujours de la famille de Vakaba et jusqu'à l'éternité. Ça ne pourra pas changer. Alhamdoulilah Rabbil Amin, le Djamanatigi est là. Nous savons aujourd'hui que notre parole, notre douleur, tout mot que le Kabadou veut adresser aujourd'hui, fait par la Chambre des Rois, on sait que vraiment ça va arriver au bout. Vêtu de son daliba, boubou dans lequel se reconnaît tout au Djenéka, le Djamanatigi est conduit jusqu'à la chaise royale au son du tamblé, le tambour qui sort pendant les grands événements. Le corps du Bafing l'accompagne également. Il lui assure soutien, encadrement et protection tout au long de son règne. Dans sa nouvelle charge, le Djamanatigi du Kabadougou reçoit ses attributs. La canne, symbole de droiture, et le Saint-Coran pour perpétuer l'œuvre des pères fondateurs du Kabadougou. Bakary Touré, Djamanatigi du Kabadougou, objet de toutes les attentions, espoir des populations de cette région et miroir la chefferie traditionnelle pour ses rôles et places aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'espoir est grand. Nous sommes sûrs et certains qu'avec lui, il y aura un grand changement. Il est prêt à s'impliquer totalement dans le travail. Et cela est d'autant plus important. Le chef de canton ne gouverne pas seul, même s'il apparaît comme un personnage hors du commun. Vous devez faire preuve dans l'exercice de votre pouvoir
d'une excellente moralité. Vous devez aussi faire preuve d'une grande probité. Vous devez être animé au quotidien d'un esprit d'équité, de justice dans les jugements que vous rendrez au cours des conciliations pour maintenir et surtout renforcer la cohésion sociale et la paix. Le nouveau Gamanatiki de Kabadougou est septuagénaire, financier de formation qui a longtemps exercé dans le privé. Il dispose d'un cadre de travail adéquat et approprié, le Gamanatikiso, qu'il a fait visiter à ses invités de marque, au premier rang desquels le ministre Bagondo Diomandé de l'Intérieur et de la Sécurité. À Mans, dans les 18 montagnes, le président du conseil régional, Albert Mabri Toikeus, a échangé avec la jeunesse du Tongpi. Il a invité les jeunes à se mettre au travail et surtout à saisir les opportunités qui se présentent à eux en cette année qui est la leur, comme déclaré par le chef de l'État, Fboué. Des représentants des principales couches de la jeunesse du Tongpi, issus de différentes sensibilités politiques, d'associations diverses, des étudiants de l'Université de Mans, au domicile d'Albert Toikeus Mabri, président du conseil régional du Tongpi. Une rencontre avec comme objectif, entre autres, d'échanger sur la vision du président Alassane Ouattara qui a décrété 2023 comme année de la jeunesse. Les différents intervenants ont fait part de leur attente. Une initiative appréciée à juste titre. Nous voyons cela comme une opportunité. Nous voyons cela aussi comme une manière de pouvoir porter notre voix plus haut. Parce que vraiment, les autres années antérieures, on menait des combats qui n'étaient vraiment pas reconnus. Et je crois que cette année-là, notre voix va partir encore plus haut. Tout ingénieur demande le matériel nécessaire à son bon épanouissement. Parce que nous sommes ingénieurs, je précise, de conception. Et nous sommes amenés à concevoir. Alors, nous prions d'avoir tout le matériel nécessaire d'abord à parfaire notre formation afin d'apporter un plus au développement du pays. Le président du conseil régional du Tongpi a indiqué que cette rencontre pose les prémices du contenu local à donner à l'année 2023 concernant la vision du président de la République. Nous avons profité pour leur dire les efforts qui ont été faits au niveau du conseil régional depuis quelques années, notamment pour le secteur de l'éducation. Mais aussi nous avons indiqué les perspectives, notamment dans le secteur de l'éducation, de la culture, dans le secteur économique, les opportunités de création d'emplois, de formation que nous allons occasionner avec le soutien de l'État et de nos différents partenaires. Et justement, une belle opportunité de formation pour les étudiants de l'Université Polytechnique de Mans, résultant de l'accord de jumelage entre la région du Tongpi et celle de Fès Meknès au Maroc. Bientôt, l'Université Polytechnique de Mans sera dotée d'une imprimante 3D. Nous quittons l'ouest pour le nord de la Côte d'Ivoire. À Korogo, c'est la fin de la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Une édition qui vient définir l'industrie des arts et de la culture comme un moyen d'autonomisation pour la jeunesse. Les meilleurs acteurs culturels ont été élevés au rang de commandeurs, d'officiers et de chevaliers de l'Ordre du Mérite culturel ivoirien. Le reportage de Soro Corona. Apothéose, la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture à Korogo. Trois faits majeurs, le défilé des différentes danses patrimoniales invitées à cette édition. Les meilleurs acteurs culturels ont été élevés au grade de commandeur, officier et de chevalier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Parmi ces personnalités distinguées, le ministre directeur du cabinet du président de la République, les ministres de la communication et de l'économie numérique, de la culture et de la francophonie, et le chef du canton de Korogo. Le ministre Amadou Koulibaly traduit la gratitude des récipiendaires au chef de l'État. Chacun des récipiendaires ici, par ma voix, voudrait exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à cette Côte d'Ivoire qui sait déceler le mérite, qui sait le récompenser, qui sait le valoriser. Le remerciement au chef de l'État. Les meilleurs jeunes qui ont pris une part active au masterclass sur les métiers de l'industrie des arts et de la culture ont été aussi primés. Occasion pour la ministre Françoise Remac d'inviter la jeunesse à s'approprier les opportunités d'emploi qu'offre l'industrie culturelle. Notre culture, à l'instar
que le président de la République souhaite est une culture dans laquelle on peut trouver de l'emploi pour les jeunes. Cette culture aussi dans laquelle nous pouvons puiser notre inspiration permet aussi de faire rayonner notre pays. Au patron de cette semaine culturelle, Fidel Sarasourou, le directeur du cabinet du chef de l'État se félicite de l'engagement des jeunes à participer à l'essor du pays à travers la promotion des métiers des arts et de la culture. Nous avons vu des jeunes enthousiastes, déterminés, avec plein d'ambition. Et nous avons vu également ce que la formation peut donner, ce que l'écosystème peut donner à la culture. Et très fier de ce que la culture peut constituer pour notre développement. Le Zaouli, danse patrimoniale inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, a fait danser tout le public. Rendez-vous est donc pris pour la 8e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture en 2024. Cette édition a fait office de rentrée culturelle pour Françoise Rémac et son équipe. Et on va s'intéresser au sport. L'Association internationale de la presse sportive a tenu son 7e congrès. 21 pays, dont la Côte d'Ivoire, ont pris part aux travaux à Dakar, la capitale sénégalaise. Le Sénégalais Aboulaye Thiam a été élu président des journalistes africains de la presse sportive. Oda Legbe. Il dirigera l'Association internationale de la presse sportive section Afrique pour les 4 années à venir. En présence du ministre des Sports sénégalais, Niankoba Diatara, Aboulaye Thiam a été élu par 19 pays à jour de leur cotisation, dont la Côte d'Ivoire sur les 21 pays inscrits. Une victoire d'Aboulaye Thiam, c'est une victoire de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. C'est une victoire du Sénégal parce que, comme vous le savez très bien, n'eût été les autorités sénégalaises, particulièrement le président de la République, l'organisation de ce gala-là, de ce congrès ici n'allait pas être possible. Une occasion pour le comité exécutif sortant de dresser son bilan moral et financier sous la supervision du président de l'AIPS, Gianni Merlo. Le dirigeant a profité de cette rencontre pour donner des conseils aux journalistes sportifs africains et souligner que le prochain congrès de l'AIPS se tiendra du 8 au 12 mai 2023 à Séoul, en Corée du Sud. Présente à Dakar avec une délégation de 4 journalistes, la présidente de l'Union nationale des journalistes de la presse sportive de Côte d'Ivoire, Cathy Touré-Kodo, s'est réjouie. Pour elle, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être absente à ce grand rendez-vous. D'abord, pour pouvoir repositionner notre union sur l'échiquier international, mais aussi en tant que journaliste dont le pays organise la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'était impératif pour nous d'être ici à Dakar pour les inciter à venir en Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif principal a été donné par notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est d'organiser la meilleure Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée. Du coup, à partir de cet objectif-là, nous aussi, nos objectifs, c'est bien sûr de battre le record de participation des médias à une Coupe d'Afrique des Nations. Et aussi inviter les journalistes afin qu'ils puissent venir faire un repérage avant la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr avec l'appui de nos autorités. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a reçu ce mardi le texte de la nouvelle constitution malienne. Il consolide les pouvoirs du président. Son adoption serait une étape importante dans le calendrier menant à des élections en février 2024 et à un retour des civils au pouvoir. Un texte qui doit être également soumis à un référendum. Restez sur RTI 1. Dans quelques minutes, RTI 1 reçoit le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Comment se porte le secteur? Quelles sont les perspectives pour les Ivoiriens en termes de logement? Face à Adama Koné, le ministre va répondre à ces questions d'intérêt national. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.